Le 16 novembre dernier, le centre-ville de Victoriaville était témoin de la finale du grand concours Destination Las Vegas organisé par la station 95.7 Fréquence Plaisir. Pour l'occasion, l'attraction Ambiance Club a accueilli plus de 250 personnes. Destination Las Vegas, une collaboration de Voyage Vasco-Victoriaville. Vraiment une très, très belle soirée, franchement. Très réussie, beaucoup de monde, une belle ambiance et vraiment le fun, vraiment, vraiment. On a hâte de voir le nom de la personne gagnante. Ça commence à être pas mal excitant. Attention. Au matin, bonjour. La personne s'en parle, c'est... Adjib. Non. Rappelez-moi la station de radio qui vous a fait gagner. 95.7 Kick FM. Yes! Grâce au Voyage Vasco et à la station 95.7, je m'en vais à Las Vegas! Oui, Las Vegas, jamais, j'avais prévu d'y aller cet hiver. Mais là, ça donne bien. 95.7, la fréquence plaisir, la radio qui célèbre ses 15 ans cette année, a permis de faire rêver plusieurs centaines de personnes. Encore là, au-delà de 250 personnes ce soir du côté de l'attraction, les gens qui étaient présents et puis la dame, ce que vous l'avez entendu, une dame heureuse, c'est ce qu'on veut faire, nous, à la fréquence plaisir, faire des gens heureux quotidiennement. Ce soir, ce fut le point culminant d'une belle promotion. Le marchand de bonheur, là, c'est vrai. Tantôt, des becs dans le cou, tout ça, ça n'arrêtait pas. C'est incroyable, hein, comment est-ce que les gens peuvent réagir lorsque t'as le bonheur en dedans de toi. Réaction du moment, c'est comme à la radio, hein. C'est du direct. Et en tout cas, aussi forte, ben, je dois dire que les gens crient. Ça crie beaucoup quand on gagne. Ça saute des bras. Madame Claudette Fortier de Saint-Ferdinand gagne un forfait 4 jours, 3 nuits avec le vol d'Air Canada, l'hébergement à l'hôtel Mirage et deux bons billets pour les spectacles Immortal Michael Jackson. Une valeur de plus de 2 300 $. 95.7. La fréquence plaisir.